laisser une note. Petit extérioriste, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens me retrouver. Ok. Pendant que les chats ne sont pas là, je vois que les robots bar. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est... Je confirme. C'est assez simple. Le code pour la fenêtre. Ok. Easy. Non. Ah. Ça fait plaisir. J'ai pas fini! Regardez comment il regarde ailleurs, tu vois. Genre, c'est pas moi. Alors que... Shaitan. Toi? Ok. C'est pas un bug ? Si ? Oh ! Tu m'as fait peur, con de mime ! Repose en paix, humain. Il y a un câble électrique, tu vois. Les humains furent les premiers à vivre, ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir? Comme ça, je crois, mais je suis pas sûr. J'ignore à quoi ressemble la mort pour une IA. Ah, ça va, je viens de te faire le. Je veux faire plus, hein. Je donne des infos. Normalement, ça devrait être. Ok. Boisson énergisante. Je dois trouver de la lessive. Mais c'est vraiment Midgar. On est vraiment à Midgar là. Ah mais j'ai... J'en ai plusieurs de... J'en ai plusieurs de canettes. Se chasser, comment s'occuper avec du Red Bull. Ok, je crois que je suis pas loin. De l'endroit où on achète du matos. Momo ! Ah ! Au bar ! Boule de poil ! Boule tout court. Viens voir, j'ai réussi à capter le signal. Pas de problème, j'arrive. Oh, mais toi là. Toi, pousse-toi. Mais pousse-toi. J'ai envie de lui faire une John Cena, lui tomber sur l'orable là. Deux canettes, un paquet d'essive. Point d'interrogation, ok. On appelle le Snowbay, mais... C'est quelque chose... Oh, c'est tout? Oh, attends. Jugbox, hein. Non, il va... Il reste deux canettes, normalement.
Ah, Linux. Quelqu'un m'entend ? Vraiment à prononcer très rapidement hein, son nom. Hein. L'endroit le plus dangereux des taudis, mais 6 bâtards. La fée, il doit y avoir un moyen. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils boivent? Qu'est-ce qu'ils boivent? Comment ils boivent? Vous ne passerez jamais par les égouts, c'est infesté de zurks. Et ils ne feront qu'une bouchée de vous, surtout de toi, mon petit. Vous comptez déjà tenter leur chance, ça finit mal. Explication, enfin je vous aurais prévenu, puis... C'est pas mes oignons. Sinus. Prenez-en soin. Hein. Son père Doc était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les urs. Il y a quelques années, il est testé. Il avait testé cet appareil. J'ai jamais revenu. Le Pissimus n'a plus jamais été le même. N'écoute pas Simus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc fabriquer une arme, c'est tout simplement le moyen de rejoindre les exo-terroristes. Dans ce carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Ah. Moi aussi, je suis pété par le mouvement du chat. Ok. Ils ingèrent vraiment ça? Leur conception d'origine n'incluait pas le système digestif. Peut-être ont-ils évolué en imitant les humains, de certaine façon. Tu crois que je devrais goûter? Je ne veux pas manquer de respect à leur tradition. Ok. Ah! Mais oui! Ben non. Je suis le franchement, je devrais rester là. Hein. Je suis le seul chat de cet endroit. J'avais laissé dans la rue le lendemain les urs qui avaient tout bouffé. Dingue, non? Ils peuvent manger n'importe quoi. C'est pour ça qu'on trouve plus le respect depuis quelques temps déjà. Ce sont les urks. Ah! Bah au top, hein, au top. Ah. Oula. C'est quoi cette mafia là? Allez Simus, ouvre la porte! Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides! Philippe, je sais que t'es là!
On va s'y attendre, ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes. Il ne m'aidera pas. Non. Tu vas m'ouvrir un passage. C'était sûr! Tiens, prends le carnet, Doc. Il va montrer à Simus. Toutes les informations qu'il contient, espérant que cela provoque un électrochoc. Trouve le beau secret, petit extérioriste. Je retourne au bar. Excuse. Je retourne au bar. C'est pour le boulot. Ce que tu fais ici, je t'ai déjà dit. Passer par les égouts est une mission suicide. Laisse-moi tranquille. Il faut que je lui montre les carnets. Attends, c'est celui de mon père? Wouah, j'en savais rien! Il y a une pièce secrète dans l'appartement. Mais où ça? Là, devant toi, là, ici. Tu vois? Le reste du salon. C'est secret, là. Là, ici. S'il y avait des indices cachés ici... Regardez. Oh non, regardez. Regardez. C'est trop un vrai chat! C'est marrant parce que là, je mets le joystick vers la gauche. Il devrait se déplacer, mais il se déplace pas, donc juste, il essaie d'attirer l'attention. Voilà. Incroyable, ça. Oh. First try. Mais par principe. Le temps est la clé. Le temps, le temps, le temps. Seul le temps. Seul le temps le peut. Ok. Le temps est la clé, le temps, le temps. Du coup, peut-être sur une horloge. Voilà. On a le premier, donc peut-être. 2 heures. 2, 5, 1. 1. Ah, ok. J'ai vu cette pièce, je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me dissimuler tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute pour son arme contre les Urks. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test. Dans la vraie vie, il est sorti des taudis pour ne jamais revenir. C'est ça, hein, le Urk. Cette créature-là, qui ressemble à un tardigrade. Joli bruit, mais pas gentil. Vieille bactérie des temps humaines, bactérie. Mange toutes sortes de matières organiques, totalement nyctalope. Qu'est-ce que t'as dit? Sensible à la lumière vive. C'est pour ça qu'elle est dans le profondeur. Salut Sonoma. Ça fait des bruits trop mignons. Le reste ne... Ne suis pas hein, le reste. Hein. Niveau mignonnerie, ça reste dégueulasse. Hein. C'est pas moi! C'est quoi ces accusations dégueulasses? Infondées!
voleur. Quel voleur. J'ai peur de faire tomber le tardigrade et de... Info bonne news. Zurk officiellement hors de contrôle. Ils se mettent à manger le métal. Ah mais c'est l'enfer. Plan du défluxor. Concept. Défluxor, c'est le... C'est l'arme. L'arme contre les Zurks. 20 Zurks détruits par seconde. Et c'est pas la taille qui compte, hein. Ok. Les os. C'est pas moi, c'est ma génétique. Pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Et même que j'étais dans un carton quand c'est arrivé. Snake! 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 Au secours! Des trucs intéressants ici? Ah, bof, hein. L'objet que j'ai ramassé. Traceur cassé. Alors je me souviens de ça, c'est son traceur. Mon papa se servait sans cesse de ce traceur pour me surveiller. Ton papa n'est pas très sain. Ton papa a de gros problèmes. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il y allait. J'arrive pas à croire que papa soit encore en vie, il me manque tellement. Et si te manquait vraiment, pourquoi t'aurais bougé ton transistor? Te faut une arme contre les Zurks, pas vrai? Mon père en a pris une avec lui, c'est certain. On va juste réparer le traceur pour le trouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans le Toddy. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Pas eu besoin que tu m'ouvres la porte, si tu peux me permettre. Je m'en vais. Avec ma tenue de camouflage. Ah, il faut que je trouve quelqu'un. Moi, il me fait flipper. Bon, il faut que je trouve un ingénieur informaticien. Allez, petit chat. Bonjour, vous êtes ingénieur? Donc si aujourd'hui le lendemain d'hier, demain serait le hier d'aujourd'hui, pas vrai, le temps est étrange. Il vit pas comme nos ancêtres, les mous. Je l'ai passé le bar. Qu'est-ce que c'est ça? Bar, ah bah voilà. Parce que je suis... Je suis nouille. J'ai quelque chose? Le barman aura peut-être une idée. Bonjour. Miaou 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 miaou. Quel bel objet. Et rare aussi, je connais quelqu'un qui répare ces trucs-là. Il a beaucoup de talent, même s'il est un peu... dur. Il s'appelle Elliot. Son bureau est juste à gauche d'ici. En sortant, à côté de la boutique de Mémé, il y a plein de signes sur sa porte. Ok. Non! Je n'ai pas soif. Ok, à gauche. Tu vois, ça c'est un chat, genre 10 secondes dans la journée. Puis après... pas la porte, nous ouvrirons.
Bienvenue à Graba, cité de la magie noire. Comment j'ai Osef, son existence. Ça fait combien de jours 2 milliards 544 millions. Ça fait combien d'années? Nous fûmes programmés pour être esclaves, mais depuis 2 milliards 544 millions, nous avons une âme. Juste à côté. Eh ben, non merci. Oh! Juste tester un truc. Eh ben non. 7 millions d'années! What? Mais attends, mais moi je croyais genre c'était post-apo type. Type, je sais pas, il y a 30 ans, 20 ans, il n'y avait plus d'humains. Je pensais à un truc dans ce goût-là. Oh, on est vraiment dans un délire à la. C'est pas moi! Parce que cet arbre est une merveille scientifique. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser les végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. Je ne sais pas dire. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent soin quand même. C'est ce qu'auraient voulu les humains. Bonjour, Yat. Je suis là pour le travail. Oui, je peux aider. Ah ouais, c'est un super traceur, je connais ce modèle. C'est un Toima BR2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget. Surtout si tu es un père et que tu veux mettre ça pour essayer de tracer ton fils parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Et même si tu sais où est-ce qu'il est, tu vas être sûr qu'il sache où est-ce qu'il soit. Et tu... Sinon, tout va bien. Je peux réparer ça, mais quand je tremble tant, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ignore si je suis malade, mais je ne me sens pas bien. C'est sûr. J'arrive pas à travailler quand je tremble autant. Si tu veux, je répare mon traceur, il me faut une couverture. Ok, on va aller chercher une couverture. Allez. On n'avait pas dans une maison... un lave-linge ou quoi? On entend les ronronnements. Attends les ronronnements. Est-ce qu'elle va exploser? Amuse-moi, robot! Lucien, mais je connais aucune chanson. Oh! Trop penser à Final Fantasy 7. Allez, tout le monde avec moi. Non, arrête. Oh. Lavomatique. Oh, la... Ah, c'est lavomatique ici. Ah. Ouvrez-moi. Partie de ces chenapans qui s'amusent avec les pots de peinture sur les toits. Mais non. Mais pas du tout.
Mais jamais de la vie. C'est pas moi. Ce sont des accusations fallacieuses. Comme on dit en italien, fallacioso. C'est le robot! Mais d'où c'est moi? Allez, vite. Profite-en. Ultrax. Oh, j'ai du super Ultrax. Je suis quand même le seul chat avec un pack de lessive sur moi. J'espère que je peux me transformer en zombie. C'est quoi, monsieur? T'arrête-moi! Je suis un chat mignon! Tiens, tu m'aimes pas, tu sais quoi? Bah, tu vas plus nettoyer, tu sais quoi, regarde. Les vrais chats font ça. Et parle-moi maintenant. Cette conversation ne m'amuse plus. Je m'en halle. Nouvelle partition. Amuse-moi, robot. Amuse-moi. Cathartique. Ça pose un froid. Ultra-chill. C'est pas mal, lui. C'est pas mal. Hein. Je suis un chat. Attends, on dirait le crooner, on dirait elle. Le chat jazzy. Merci, humain. Humain. Merci, dur. Oh. Quarante-quatre notes. 44 notes, c'est
Waouh. C'est vraiment, tu sais. Même ma mère, quand j'étais ado, qu'elle me grondait parce que je rangeais pas la chambre, c'était pas aussi désagréable, tu vois. Wow. Je crois que le robot fait un AVC, hein. Je crois qu'il a le... Je crois qu'il a le transistor en feu, hein. Super Ultrax. Salut petit, m'as-tu trouvé du câble électrique? J'aimerais beaucoup te tricoter un mani, mais il me faut un câble. Merci mon cher, je me mets au travail immédiatement. Oh, nouvel objet acquis. Et voilà pour toi mon petit, ça va t'aller parfaitement. Allez, cadeau, je te donne une raison d'être. J'ai un poncho. Ok, ok. Allez, allez. Prends ce poncho. J'ai trouvé ça. Écoute, je suis très bon débrouillard. Regarde, plus de tremblement. Ça valait le coup. Ça te va super bien. Non. Fais ce que t'as à faire. Moi, je reste sur le clavier. Bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Je cherche juste... un père qui stoppe son fils. Travaille. Fais pas attention à moi. Tu as réussi à faire réparer le strasseur? Bah oui! C'est mon travail de chat. Tu as réussi, tu l'as réparé, bien joué. Bah c'est pas grâce à toi. Donne. Non, toi, donne. Non, toi, donne. Allez, raccroche. Je vais pouvoir me contre-stalker mon père qui m'a stalké pendant des années. On a un signal! Mais qu'est-ce que son père n'a pas encore envie? Alors papa serait vraiment vivant? Incroyable! Suivons le traceur, on va peut-être découvrir où allait mon père. Alors, je pense qu'on va découvrir le cadavre de ton père. Sans vouloir paraître... Enfin, le cadavre. On s'est compris vu que ton père est un robot. Non? T'es parti où? Ah, tu es là. Je prends ça pour rester discret. J'amène ça pour qu'on se cache. J'ai de la place pour deux. Le pauvre. Tu pensais que t'avais été un enfer? Tu pensais vraiment que t'avais été un enfer? T'avais pas qu'à m'accuser à tort. Si tu m'accusais moi à tort, peut-être que t'aurais moins de chaises à nettoyer. Alors respecte-moi la prochaine fois.
Voilà. Nouvelle zone. Ah, c'est ça, il a vraiment quitté cet Audi. C'est dangereux ici, mais je m'en dois m'en assurer. J'ai besoin de savoir. Allons-y. Non, non, ferme pas la porte derrière. Je mets les partitions. Ferme pas la porte derrière. Si t'as fermé la porte... Non ! Bon. C'est pas moi. Tous ces œufs qui vont nous dévorer, je ne peux pas faire ça. Je suis pas aussi rapide que toi, les yeux pour m'avoir, c'est sûr. Tiens, prends ce badge, mon père le reconnaîtra. Il saura que tu es un ami. Sérieux, c'est un badge de la Japan Expo que tu me donnes là? Hein? Enfin, pas merci, hein. Bon, c'est le moment un peu stressant. Ok, c'est le moment où il faudra être un poil agile et non pas... Oh, la mémoire. Regarde la taille de ce mur, je me rappelle que c'était un symbole de la division entre ces deux taudis et ceux du centre de l'île, en ajoutant le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter leurs déchets ici-bas. Quel comportement lamentable, c'est peut-être ce qui a provoqué leur chute. Aïe, aïe, aïe. Wow! Ça craint. Non, 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 monte, 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 monte. Ok. First try. C'est super, hein. C'est super beau. C'est super beau. C'est pour ça que je disais que... Sur le jeu, c'est pour ça que je disais que c'est mieux qu'il n'y ait pas de saut en fait, mais qu'il y ait du saut contextuel. En termes d'immersion, c'est beaucoup plus beaucoup mieux géré. Ok, donc maintenant on tourne dans l'autre sens pour aller en face, sûrement. Ou alors... Ah, on va le pousser encore plus. Deux fois en arrière. Oui ! Oh ! Je dirige le chariot ! Ma vie est géniale !
Non. Debout. T'inquiète. Je gère. Tu dois pas être loin. Ah ouais, non, mais il boitouille, hein. Voilà. Allez. T'as vu? Petite lichette à la patoune et puis ça va mieux. Ça va mieux. C'est magnifique. T'as l'impression que les décors se répètent pas tant que ça. Hein. Non, il est pas bobo. Il est pas bobo. Vous avez entendu? Basket. Très bien. J'ai. Waouh. Twitter quand vous êtes pas là. Ça bu bonne fort. Hein. Oh. Il serait vivant? Attends. Totalement bien! T'es pas un zerk toi? Bah non! C'est mon badge que tu portes. Comment as-tu trouvé? C'est mon fils qui t'envoie. Oh! Simus! T'es futé! Je suis celui depuis des lustres. Je suis venu tester mon défluxor, mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi. Mon fils me manque. Et moi, j'ai pas à donner toutes les partitions de musique! Faut inspecter la maison, hein, si tu veux. Mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. Ok. Que j'inspecte. Oh, mémoire. Mémoire, mémoire. J'ai vu des humains porter ce genre de tenue. Quoi? Ils étaient petits, couraient partout en faisant beaucoup de bruit. Et je me rappelle maintenant, c'était des enfants. Les rues ont l'air bien plus vivantes avec eux. En dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier. Oh. Tu sais, si les adultes décident de pas spécialement proliférer comme ces satanés urques, il y a peut-être une raison! Doc dit que Simus lui manque. C'est la même chose? Non, parce que Simus, tu peux le débrancher. Sous le soleil des tropiques. Ok. C'est pas moi! C'est pas moi! Non mais sérieux! C'est vrai qu'il y a Oppenheimer qui va sortir l'année prochaine. C'est un très bel hommage à ce que vient de faire le chat en appuyant dessus.
Le film de Nolan avec Robert Downey Jr. Petit coquin. Petit coquin. Et dépose doucement cette baguette magique. Elle a la détente très facile en acier trempé. Et vous pouvez le trouver pour un modique somme à prix bas. Car à prix bas, les prix sont bas. Si tu parviens à atteindre le générateur remplacé fusible, je devrais pouvoir recharger le défluxor. Allez, suis-moi, je vais te montrer quoi faire. Il y en a qui ont la ref. Et je l'avais dit hein, que cette citation de Bruce Campbell dans Evil Dead 3, je l'ai adaptée pour le livre de base Priax. C'est vrai, hein, pour le livre de base Priax qui a donné Aventure, je l'ai mis dans toute la citation, toute la phrase, avec quelqu'un qui présente une arme à feu. Dans l'univers de Priax, mon premier jeu de rôle. Allume le générateur, va faire du bruit et attirer les orques. Quand tu auras réparé le générateur, je pourrai charger et allumer le diffuseur. Il suffit de suivre ce câble, de remplacer le fusible et de me retrouver ici. Bonne chance! C'est pas le giga plan, hein. Ok. Ça a l'air d'être facile sur le principe. Hein. Ok. Ça va bubonner, hein. T'as bubonné sec dans 2 secondes. Il y a beaucoup trop de viande par ici, je suis d'accord. Réparer le générateur, surtout pour recharger la bombe atomique. Genre là ici. Suivre le fil jaune. Aïe 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 aïe, ça a bubonné. Oh là, oh là, oh là. Moi ça me tue pas moi. En fait, le seul problème de cette arme, c'est qu'il faut la brancher à un générateur. Sinon, tout le reste, c'est ok. Hein. Allez. Ipécaillé. Ouais, tu crois que c'était pas dans mes cornes? T'as vu comme le défluxor est puissant, c'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. Attends une minute, je vais peut-être fixer ce défluxor sur... Quoi? Mais la dinguerie! J'ai enfin mon lance-missile cyclone sur mon dos. Maintenant, fixé sur ton joli drone. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance. Si tu utilises trop, il peut dysfonctionner.
pas que c'est dangereux, et maintenant retournons au village. Je peux utiliser sur eux? Je peux utiliser sur... Ah merci beaucoup, Bill. Vous êtes tellement abandonné. Yes! Des formes de drôlisme. Dans ce cas-là, laisse-le refroidir un peu. Ouf, je suis bien trop chaud, moi, pour y aller. Allez, allez. Allez, laisse-moi, laisse-moi être... Oh, ils ont trouvé mon point faible. Oh. C'est quatre portatifs. C'est vrai que l'électricité a été coupée. Peut-être qu'on l'a utilisé pour tout le défluxor. Non, même pas, ok. Pas d'électricité. Ah non, non, c'est un jeu de... Ok. Il y en a un qui doit pousser l'autre, un truc comme ça. Soit ça. Ouais, ça va jusque là. Ah non, c'était... Ce que j'avais en tête, c'était plus compliqué que ça. Je croyais que, genre, il fallait faire venir un vers l'autre pour que l'un pousse l'autre, etc., etc. Un peu comme dans un puzzle, tu vois. Mais c'était beaucoup plus simple que ça. Bah, c'est juste à côté du tuyau en hauteur, donc... c'est kiff-kiff. Pendant des centaines d'années, c'était plutôt des rats qui étaient dans des souris. Ok. Cet environnement de dingo. Oh. C'est à Bibi Bonnet, je préviens. Non! Oh, c'était rentable, hein. Cap McLean. Yippee-ki-yay. Oh! C'est ton moment. Oh! C'est bon? J'ai pas vu ce parasite. Il meurt! Oui, meurt! Meurt, meurt, meurt! Il meurt! Incroyable ça! C'est facile. Ouh, c'était chaud, rentrons à la maison. Je suis d'accord. Oh! Excusez-moi, je suis obligé, je suis obligé. Je suis une balle de bowling. Et du coup, on prend le truc un peu à contre-pied en finissant direct, en allant au bout du jeu, direct. Ok. Je suis impatient d'aller voir la partition, je suis impatient, je suis impatient, je suis impatient.
Oh. Des retrouvailles. L'émotion. Oh. Non. C'est marrant que ça touche à moi, ça me rappelle un peu Wally. Wally. Regardez Wally, hein, film d'animation qui est encore très actuel, même avec des thèmes qui sont modernes et qui sont de notre époque en fait. L'un des meilleurs que j'ai vu. Merci d'avoir sauvé Doc, petit ami. Je suis pas ton petit ami, mec. C'est vraiment chouette que Simus ne soit plus seul. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les Urks. Momo t'attend de l'autre côté des égouts. Doc et Simus ont l'air contents. Je crois qu'on a bien travaillé tous les deux. Tellement stylé. La musique est incroyable. Partition 3, 4. Celle-là est chouette. Attention, faut se méfier. Hein. Allez, l'instant musical de la soirée. Très cher collègue ninja de la chaîne Recette Critique, évidemment. Posez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez-vous comme vous désaltérez. Petite interlude musicale. Partition 5. Lendemain. C'est cool, tiens, regarde. Bienvenue à Midgard. À votre droite, vous pouvez observer l'usine Mako. Elle a peut-être essuyé une attaque terroriste, mais vous savez que les habitants sont quand même heureux de vivre, pour ce qu'il en reste. À votre gauche, vous pouvez observer l'entreprise Shinra. L'entreprise Shinra est une entreprise qui œuvre pour le bien-être de chacun. Cette... Voilà. Information d'importance relative. C'est ce que je lis 3 à 5 fois par semaine dans le chat. Composé par un algorithme de relon. Oh, oh, un algorithme de relon. Je vais me poser. Bienvenue dans l'entreprise de Shinra. Le bien-être de tout un chacun nous importe. Aujourd'hui, les usines Mako sont transcrites avec le respect de la biodiversité, mais aussi le respect de l'être humain. Si nous respectons les uns les autres, mais aussi la chaîne alimentaire, nous ferons des lendemains meilleurs. Partition indéchiffrable. Je peux essayer. Impressionne-nous. C'est pas ma préférée, mais j'aime bien. Et l'ultime. Je vais passer devant un distributeur. Ok. Prends ce badge en témoin de ma gratitude. Yes. Retour au calme. Miaou Lodi. Succès déverrouillé.
Mince, comment ça s'appelle? Il y a une plage. Il y a une plage dans Final Fantasy VII. Avec une musique qui fait penser. Costa del Sol. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pardon. Je voulais juste écouter de la guitare. C'est tout. C'est tout, hein. Embarque dès que tu es prêt, on doit partir d'ici. Ok.